Maseret Sota, traité Sota, Daf Mem Vav, numéro 46. Nous sommes à la cinquième ligne. Gemara. Veyehemum posel be'aregla. Le défaut devrait rendre la génisse impropre pour la cérémonie de trancher la nuque de la génisse. Mikal Vachomer, en utilisant un argument a fortiori, en disant Oma para, si déjà la vache rousse, c'est un shanim postot ba. Pour laquelle les années ne rendent pas impropre, puisqu'elle peut avoir n'importe quel âge, Moum possède bas, et malgré tout, un défaut la rend impropre. Avec l'âge et Chanim possède bas, alors la génisse pour laquelle les années la rendent impropre, puisqu'il faut qu'elle ait moins d'un an, et nos dinché Moum possède bas. On devrait dire à plus forte raison que le défaut la rendrait impropre. Et l'agma répond, Shaniatam de Makra, Asher Ein Bahmoum. C'est différent là-bas, parce que pour la vache rousse, le verset dit qu'il n'y aura pas en elle de défaut. Bahmoum possède, donc c'est seulement en elle que le défaut rend impropre. Enfin, Moum possède, Be'arigla. Mais le défaut ne rend pas impropre la génisse. Et l'agma demande, et la merata. Et si c'est ainsi qu'on apprend du mot « bah », « elle », pour exclure un autre cas, alors on devrait dire pareil que pour la génisse, c'est marqué à Charleroi ou « bah », on n'a pas travaillé avec « elle », et donc on devrait dire « lo yushar avonot postot bah » que les autres travaux, à part avoir mis le joug sur la vache rousse, ne devraient pas la rendre impropre en apprenant de ce mot « bah » pour dire que uniquement la génisse et pas la vache rousse. Alama Maravuda Marav. Alors pourquoi Ravuda a-t-il dit au nom de Rav venir à l'Aroda chez Sakin que s'il a posé sur la vache rousse un tas de sacs, Pesula devient impropre. Ou Berigla Chetimchor. Et pour la génisse, c'est seulement si elle a tiré la charge. J'en ai pas un. Il y a finalement Rol Berigla. La Gmani, c'est différent pour la vache rousse parce qu'on apprend par similitude des termes, parce qu'il est écrit à son sujet le terme joug, et également le terme joug pour la vache rousse. Donc on apprend de la génisse que les autres travaux la rendent impropre. La gmandie avec la namite était en l'enlumé para. Mais alors à ce moment-là, la génisse aussi, on devrait dire que le défaut la rend impropre en apprenant par similitude des termes. C'est marqué dans les deux cas, donc également pour la vache rousse. Le terme joug, donc on n'a qu'à apprendre de elle. Et l'agma répond à Mirait Rachaman là-bas. Non, parce que là-bas, hein, la Torah l'a exclu en disant le mot en elle pour la vache rousse. Alors l'agma dit Berigla namikativ bah. Mais alors, on devrait dire la même chose que pour la génisse, c'est marqué le terme en elle. Et donc on ne devrait pas rendre impropre la vache rousse avec d'autres travaux. Aoum Baril Mioté Kodashim. L'agma dit non. Le mot en elle qui est écrit pour la génisse, c'est venu pour exclure pour les autres animaux sanctifiés de la Pasla Beo Avoda que les travaux ne les rendent pas impropres. Parce qu'on aurait pu croire qu'on aurait appris par argument a fortiori de la génisse que ça les rend impropres. En disant Omar Regla Shen Moum Poselba, si déjà la génisse pour laquelle le défaut ne la rend pas impropre, Avoda possédait bas, les travaux la rendent impropre. Kodashim Shemum possédait bahen. Alors, les animaux sanctifiés pour lesquels un défaut les rend impropres, et Nodin Shavoda possédait bahen. On aurait dit à plus forte raison que les travaux les rendent impropres. L'agmanika les méfrats, mais de toute façon, cet argument a fortiori, on peut le repousser en disant Malaïla la Sheken Shanim possède bas, que la génisse est différente parce que l'âge la rend impropre. Comment dit à tout kolachim, il est cas des pastres behushanim. Est-ce que les animaux sanctifiés, il n'y en a-t-il pas pour lesquels l'âge les rend impropres? Il s'écrira les anarcholachim. Et donc, on a effectivement besoin du verset pour ces animaux sanctifiés, des pastres behushanim, pour lesquels l'âge les rend impropres, que les travaux ne les rendent pas impropres. Et la Gemara demande, quand la chute de la Passabou Avoda,
le fait que les animaux sanctifiés, les travaux ne les rendent pas impropres. Mais à Hanafka, est-ce que c'est de ce verset qu'on apprend? Mais à Tanafka, on apprend d'un autre verset dans Lévitique où il est dit Averet, l'animal aveugle, au chavour, ou qui a un membre cassé, au harutz, ou mutilé, au yabelet, ou qui a une verrue, au garave, ou qui a de la gale sèche, au yalefet, ou de la gale humide, l'otakrivu elé l'Hachem. Vous n'offrirez pas cela à l'Éternel. Pourquoi c'est marqué cela? Elé yatamakriv, cela tu n'offriras pas. Avatamakriv kolachim shenev d'abayenavoda. Mais tu offriras des animaux sanctifiés avec lesquels un travail a été fait. On a quand même besoin de notre verset à nous. C'est la Kalatachamina, parce qu'on aurait pu croire sinon, animé avad éter. Quand on a dit qu'ils ne sont pas impropres, c'est lorsqu'on aurait fait avec eux des travaux permis. Mais si on avait fait avec eux des travaux interdits, comme par exemple, on aurait travaillé le Shabbat, et Malitzerou, j'aurais pu croire qu'ils deviendraient interdits au sacrifice. C'est pourquoi on a besoin de notre verset. Un ami met un Hanafka, mais ça aussi, on l'apprend d'un autre verset, puisqu'il est écrit toujours dans Lévitique, « Umiyad ben Necha, lo takrivu, et lechem elokechem mikol ele, et de la main d'un étranger, vous n'offrirez pas comme pain pour votre Dieu Tout-Puissant de tout cela. » Et pourquoi c'est marqué cela? Pour nous dire, ele atamakriv, cela tu pourras en parler, les offrir, ils ont un défaut, et tu pourras offrir des animaux sanctifiés avec lesquels un travail a été fait. Et la Gemara dit, on a quand même besoin de notre verset. C'est vrai qu'à la Tachamina, parce que j'aurais pu croire, quand on dit que le travail ne les rend pas impropres, c'est seulement si on avait travaillé avec eux lorsqu'ils étaient encore profanes. Mais si on avait travaillé avec eux lorsqu'ils étaient déjà sanctifiés, et Malitzerou, on aurait pu croire qu'ils ne pourraient pas être offerts en sacrifice. C'est pourquoi on a besoin de notre verset. On reprend l'enseignement qu'on a déjà vu. Amar Ravuda Ravuda dit au nom. Si on a posé sur la vache rousse un tas de sacs, Pesula, elle devient impropre. Ou Beraïla, pour la génisse, Achetim seulement si elle tire le fardeau. Mitivé, on objecte, à partir d'une braïta qui dit Rol, c'est écrit pour la vache rousse, qui n'aura pas eu sur elle de joug. Du terme joug, j'aurais dit Agnella Ol, que c'est seulement si on aurait posé un joug qu'elle devient impropre. Cher Avodat Minaïn, d'où est-ce que j'apprends les autres travaux? Amantekal Vachomer. Alors on n'apprend pas un argument a fortiori. Uma Aïla chez Elmoum Poselba. Si déjà la génisse pour laquelle le défaut ne la rend pas impropre, cher Avodat Postotba, les autres travaux la rendent impropre. Para, la vache rousse, chez Moum Poselba, pour laquelle un défaut la rend impropre, et Nodin, chez Rabotot Postinba, à plus forte raison que les autres travaux la rendront impropre. Vim Nafshechaloba, et si tu veux dire autrement, alors on peut dire ainsi, Nemarkan Ol. C'est écrit pour la vache rousse, le terme joug. Nemar le halan rol, c'est écrit pour la génisse, le terme joug. Mar le halan sharavodot posotba, de la même manière que pour la génisse, les autres travaux la rendent impropre, comme c'est écrit dans le verset. Avkan sharavodot posot. Ici aussi, pour la vache rousse, les autres travaux la rendront impropre. Maïna shechaloma, l'agbanon, qu'est-ce que ça veut dire? Et si tu veux dire autrement? Ça veut dire vritema, et si tu vas me dire, ikal mifrach, que l'argument a fortiori, on peut lui objecter en disant malagla chez Kenshanin postotba, que la génisse est différente, parce qu'on est plus sévère, puisque l'âge la rend impropre. Inami, on peut dire aussi, Kodashim Yochichu, que les animaux sanctifiés seront une contre-preuve à cet argument, a fortiori, chez Moum Poselbaen, puisque le défaut les rend impropres, Venavoda Poselbaen, et un travail qu'ils auraient fait ne les rend pas impropres. C'est pourquoi nous dirons ainsi, Neymar Kanrol, il est écrit pour la vache rousse le terme joug, Venema le Halanrol, il est écrit pour la génisse le terme joug, Male Halan Cher Avodot, de la manière que pour la génisse, les autres travaux la rendent impropre, Afkan Cher Avodot. Ici aussi pour la vache rousse, les autres travaux la rendent impropre. Et la Gemara demande, nous mima comme chez Bata. Mais alors à ce moment-là, on devrait apprendre de l'endroit
duquel on la déduit. Malala Shetimshor, que de la même manière que pour la génisse, elle n'est impropre que si elle a tiré le fardeau, Afkana Shetimshor, pour la vache rousse aussi, seulement si elle a tiré le fardeau. La Gemara dit Tanaï, effectivement, il y a une discussion entre des maîtres du temps de la Mishnah à ce sujet. Dit Kadema la mère là. Il y en a qui, effectivement, apprennent de la génisse, et donc, c'est dans les mêmes règles que la génisse. Il y en a qui là, Migou, faire des paras. Mais d'autres apprennent directement de la vache rousse en disant des Tania, c'est marqué dans le Mouraïta. Hol, pour la vache rousse, il dit le mot joug, elle n'est la hol. Je l'apprends de là qu'elle est impropre que s'il y a le joug qui a été posé sur elle. Sharavodot Minaïn, tous les autres travaux d'où le sais-je, que ça la rend impropre, tamoud le bras. C'est pourquoi le verset dit Hachaloh Allah Aleh Ahol, qui n'a pas été monté sur elle de joug, Mikol Makom, pour dire tout ce qui aura été monté sur elle, donc tous les travaux qu'elle aura fait. Alors pourquoi le verset parle de joug? Pour nous dire, le joug la rend impropre, que ce soit si on l'a mis pour qu'elle travaille, ou que ce soit si on l'a mis pas pour qu'elle travaille, alors que les autres travaux, les autres charges, ne la rendront impropre que si c'était pour qu'elle travaille, qu'elle les porte. Pourquoi on ne dirait pas que quand le verset dit il n'aura pas été monté sur elle, c'est donc une généralité. Hol, puis le verset dit un joug, prat, c'est donc un cas spécifique, klal ou prat, lorsqu'on a une généralité suivie d'un cas spécifique, un bichlal et la machine prat. On dira que de la généralité, nous ne retiendrons que le cas spécifique. Hol in midah hainalo. Donc c'est seulement le joug qui la rend impropre et pas autre chose. La commande répond à cher. C'est marqué juste avant que Ribouyaou. C'est venu pour inclure les autres travaux. Tani un ami, Kamberegla, Kegamna. Il y a une Moraïta également concernant la génisse, dans le même ordre d'idée, qui dit Ol, c'est écrit pour la génisse le terme joug. Elle y est lâchée. Ol. Là, j'apprends uniquement si elle a tiré le fardeau avec le joug. Sharavodot Minayin, si elle a fait d'autres travaux, d'où sait-on que ça la rend impropre. C'est pourquoi le verset dit dans Deutéronome, cher Lorou Badba, qu'on n'aura pas fait de travaux avec elle. Mikol Makom, dans tous les cas. Maintenant, pourquoi le verset a-t-il parlé de joug? Pour dire Ol possède même Chartavoda, même Chartavoda. Que le joug la rend impropre, que ce soit s'il lui avait été mis pour la faire travailler ou pas pour la faire travailler. Chartavoda, alors que les autres travaux, les autres charges, elles ne peuvent sauter la Chartavoda. Elles ne la rendent impropre que si elles avaient été posées pour la faire travailler. Pourquoi on ne dirait pas que lorsqu'il est écrit qu'il n'aura pas été fait de travaux avec elle, c'est une généralité, Ol Prat, et ensuite quand on dit qu'elle n'aura pas tiré avec le joug, c'est un cas spécifique, Klal ou Prat, donc généralité suivie de cas spécifique, En Michal, le Moshe Prat. On ne retiendra de la généralité que le cas spécifique, Ol In Midah Rinlo, donc seulement s'il y a le joug. Et pas autrement. Alors, il me répond à cher, comme c'est écrit que, auparavant, Ribouyahou, c'est venu pour inclure les autres cas. Alors, Rabbi Avahou dit, Bahiminim Rabbi Yochanan. J'ai demandé à Rabbi Yochanan, Shichatol Bekama, si elle tire un fardeau avec le joug, la génisse, sur quelle distance doit-elle l'avoir tiré pour la rendre impropre? Alors, Li, et il m'a répondu, Kimlo Ol. La distance de la mesure du joug. Bah, y aller où? On s'est posé une question. L'erko ou l'erko? Est-ce que ça veut dire la longueur du joug ou la largeur? Mais un des sages appelé Rabbi Yaakov le Radi, moi, j'ai entendu l'explication directement de Rabbi Yochanan, mais Shirat Ol l'erko, qu'il s'agit d'avoir tiré sur la distance de la largeur du joug, tefar, qui fait une largeur du poing. Venez ma tefar, on n'avait qu'à dire directement à la largeur du poing. Mais c'est pour m'apprendre que la largeur du joug, c'est la largeur du poing.
La main nafkamina, qu'est-ce que ça change? Mais car au même cas, pour le commerce, s'il a vendu à quelqu'un un joug, il faut qu'il ait cette largeur. Sinon, la vente n'est pas valable. Amar Rabbi Yochanan ben Shaul, Rabbi Yochanan fils de Shaul dit, effectivement, Amar Torah, Evi Agla ben Nahal. Pourquoi la Torah a-t-elle dit d'amener une génisse dans une vallée? Amar Kajorou, il va d'avoir chez lui sa perrotte. Sa ministre a-t-il dit, on amène quelque chose qui n'a pas fait de fruits, comme cette génisse qui n'a pas encore velé, et qui n'est pas encore arrivée à l'âge de veler, jusqu'à moins d'un an. Mais il y a un rêve de ma comchienne dans cette période. Qu'on lui tranche la nuque, un endroit qui ne fait pas de fruits, c'est-à-dire dans cette vallée rocailleuse. Et afin que ce soit une expiation pour celui qu'on n'a pas laissé faire des fruits, parce qu'on l'a assassiné. Maï Perot, de quel fruit s'agit-il? Il est ma période Rivia, s'il s'agit de la procréation, elle est Mata Zaken Vasaris, Rinami de l'or final. Mais alors à ce moment-là, si celui qui est mort était un homme âgé ou castré, alors on va dire que on ne va pas trancher la nuque de la génisse. Et là, mitzvot. En réalité, ici des fruits, ce sont les commandements de la Torah qu'on ne lui a pas laissé accomplir. Alors, la Mishnah disait qu'on faisait descendre la génisse dans une vallée rocailleuse, Etan Kemashmaro, et donc ce terme ici de roc, c'est comme on l'entend caché, de la roche dure. Tanou Rabanan, ça j'ai enseigné dans une moraita. Menaïn Etan Chou caché. D'où sait-on que ce mot Etan veut dire quelque chose de dur? Chez Nema, parce qu'il est dit dans les nombres, Etan Moshavecha. Simba Sela Kinecha. Tu es installé à un endroit dur et tu as placé dans des rochers ton nid. Véomer, un autre verset encore dans Miché, Shimo Harim et Rivachem, écoutez montagne, le litige de l'Éternel va être anime et les roches dures, Mosde Aretz, qui sont la base de la terre. Arimumrim, d'autres disent, Minaïn Etan Shu Yashan. D'où sait-on que le mot Etan ici veut dire âgé, pour dire que c'est une vallée dont on a déjà fait travailler la terre. Chez les mains, parce qu'il est dit dans l'île de Jérémie, Goy Etan, un peuple âgé, ou Goy Merolam, c'est un peuple qui est là depuis toujours, où il est. La Mishnah disait que on lui tranchera la nuque avec un grand couteau par l'arrière. Baïtama, d'où le sait-on? Gama, rifa, rifa, mechatataof. Parce qu'on apprend le terme tranché qui est écrit ici et qui est écrit également au sujet de l'expiatoire qu'on amène avec un volatile. Et là, comme là-bas, c'est trancher la nuque, ici aussi. On met comment sur les rois en Béléraved. Et la Mishnah dit que l'endroit où on a tranché la nuque, on n'aura pas le droit d'y ensemencer et de le travailler. Tanur Rabbanan, nous allons aussi dans une moraita. Il est écrit dans Deutéronome, Asher lo ya'aved bo velo yizareah, que on ne fera pas travailler celui-ci, donc cet endroit, et il ne sera pas ensemencé. Sha'avar, en réalité, c'est au passé. Ça doit être un endroit qui n'a jamais été travaillé. Livré Rabbi Yoshia. C'est l'avis de Rabbi Yoshia. Rabbi Nathan de Merdaba. Rabbi Nathan dit, c'est au futur, il ne sera pas travaillé. Rava Malé Abba, les couleurs l'ont appliqué. Rava explique que, qu'on traduise au futur, ça tout le monde est d'accord. Dirti Veloïsarea, puisqu'il est écrit qu'il ne sera pas ensemencé au futur. Qui pliquait les Charvas? La discussion, c'est de savoir est-ce que ça s'applique également au passé. Rabbi Yoshia savar miketiv velo yerubad. Rabbi Yoshia dit, est-ce qu'il est écrit, et il ne sera pas à travailler, pour dire que c'est une injonction, c'est écrit, qui n'aura pas été travaillé, donc c'est un fait, et donc c'est un passé.
Rabbi Yonatan, alors que Rabbi Yonatan dit Mikti Vachalon Ne'evad, ce n'est pas écrit qui n'a pas été travaillé, c'est écrit au pluriel le verbe. Rabbi Yoshia, Asher le Shia, Rabbi Mashma. Rabbi Yoshia dit oui, mais le terme que, qui est écrit avant, indique le passé. Rabbi Yonatan, Asher Ibouyahu, alors que Rabbi Yonatan utilise ce terme que pour inclure quelque chose qu'on verra plus loin. Moutalisrokcham Pishtan, Nakasham Avanim, la Mishnah disait qu'on a le droit d'y filer là-bas du lin et d'y tailler les pierres. Tanou Rabbanan, nos sages enseignants du Moïta. Cher, on dira Amet Bovelo Isaréa. C'est écrit dans le verset qu'il ne sera pas travaillé ni ensemencé. Et ni Lazria. De là, j'apprends uniquement l'ensemencement. Cher Abodot Minaïm, de ce que j'apprends les autres interdits. Tanou Rabbanan, on dira Amet Bo. Parce que c'est écrit qu'il ne sera pas travaillé. Comme ma com, dans tous les cas. Inkematamon de Marvelo Isaréa. Mais là, pourquoi il est écrit aussi. Il ne sera pas ensemencé. Pour t'apprendre que de la même manière que l'ensemencement, il a cette particularité que c'est dans le terrain lui-même, de même tout travail qui est interdit, c'est si c'est avec la terre elle-même. Donc on exclut si quelqu'un y file de la, du lin, veniko rabanim, ou s'il y taille des pierres. Chénal Moukoufat Chekarka, parce que ce n'est pas un travail qui est fait avec la terre elle-même. Véhéma Asherlo Yahavet Boklal. Pourquoi on ne dirait pas que, parce que le verset dit qu'il ne sera pas travaillé dedans, c'est une généralité. Loïsaréa, puis le verset poursuit en disant qu'il ne sera pas ensemencé. Prat, c'est un cas spécifique, chaloupra, donc une généralité suivie d'un cas spécifique, on ne retiendra de la généralité que le cas spécifique. Donc ce serait seulement l'ensemencement qui est interdit et pas autre chose. La Gemara dit Asher, le mot que, qui est écrit au début de la phrase, Ribouyaou, est venu inclure. Siklari Rochatin et Dehen Verroulé, on a dit dans le Mishnah que, après cela, les juges de la ville laveront leurs mains sur l'endroit où on aura tranché la nuque de la jeunesse. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une moreta. Chroziknaï Raï, c'est écrit dans le verset, et tous les juges de cette ville, Akirovim et les Halal, sont proches du cadavre, Ichatsu et Tidéhem, se laveront leurs mains à l'Aïla ou enfin à Nachal, sur l'endroit de la jeunesse qui aura été tranché au niveau de la nuque dans la vallée. On n'avait pas besoin de dire qu'on aura tranché la nuque, puisqu'on le sait déjà. Pourquoi on a dit dont on a tranché la nuque? Pour nous dire que c'est à l'endroit où on aura tranché la nuque de la génisse. Vamrou, le verset poursuit en disant, ils diront, il y a des nouveaux chapeaux à Damasé, nos mains n'ont pas versé ce sang-là, aidez-nous le Raou, et nos yeux n'ont pas vu. Est-ce que on aurait pensé dans notre cœur que le tribunal rabbinique verse le sang? La lobalé adenu petarnu benomézonot. Pour nous dire que celui-ci n'était pas venu entre nos mains pour que nous lui sions laissé sans lui avoir donné à manger. L'oraïnu et nous ne l'avons pas vu. Minardu benolévaya pour que nous le laissions laisser sans l'avoir accompagné. Tania Imreta qui dit Rabbi Mirober. Rabbi a dit Kofin l'ilvaya. On force à accompagner les gens de passage. Chesra l'ilvaya et la shiur, car la récompense d'accompagner n'a pas de mesure. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre des juges, Rabbi Rochomrim et les gardes ont vu Ish Yotse Minahir, un homme qui sortait de la ville de Bethel. Voyons Rouleau, ils lui ont dit, Arénouna, et tu me vois. Montre-nous, s'il te plaît, l'endroit par lequel on peut rentrer dans la ville, parce qu'elle a été fortifiée, et les hommes de Josué ne pouvaient pas y rentrer. Ils lui ont dit, nous ferons avec toi du bien. Il leur a montré l'endroit pour rentrer dans la ville. Donc il les a accompagnés. Mahesed a suimo, et quel bien lui ont-ils fait? Toute cette ville-là
Ils l'ont tué au fil de l'épée. Cet homme-là et sa famille, Charcou, ils les ont renvoyés. Et le verset dit, Vayelech Haïch Eretz Achitim, et l'homme est allé dans la terre des Hittites, Vayelech il y a construit une ville, Vayekrachema Luz, il l'a appelé Luz. Ishema Adayimazé, c'est son nom jusqu'à ce jour. Tania, il va être acquis. Luz, c'est la ville de Luz, c'est une ville bas Techelet, dans laquelle on teint la teinte bleu-azur. Ilouz, chez Vazal-Khiriv, c'est la ville de Luz que Sennachérib est venu et ne l'a pas mélangé parmi les autres peuples. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, ne l'a pas détruite. Et même l'ange de la mort n'a pas le droit d'y passer. Et la Zekenim, chez Ba, mais les personnes très âgées qui y sont, parce que ils en ont assez de vivre, ils sortent en dehors des murailles de la ville, et là ils meurent. Alors, et on peut alors donner un argument a fortiori. On m'a canonisé ici déjà ce cananéen, chez l'Odiberbefiv, qui n'a pas parlé avec sa bouche, et n'a pas marché avec ses pieds. Et malgré tout, grâce à ce qu'il a fait, il a entraîné une délivrance pour lui et sa descendance jusqu'à la fin des générations. Michosé, celui qui accompagne avec ses pieds, ô combien pour toi. Mais alors comment il aura montré l'endroit pour entrer dans la ville? Qu'est-ce qu'il a dit avec sa bouche? Il a fait un signe. Avec son index, il leur a montré. Tadia qui va t'aider Rabbi Yochanan. Il y a une braïta qui est un appui pour Rabbi Yochanan. Il suffit chez Canaanisé R.A. Bezbaro. Parce que ce Cananéen a montré avec son doigt. Il a entraîné une délivrance pour lui, pour sa descendance, jusqu'à la fin de toutes les générations. Amar Bushamen Lévi dit, celui qui marche dans le chemin, Venolevaya, et n'a personne pour l'accompagner, et Asokba Torah. Qu'il s'occupe de l'étude de la Torah chez Neymar, comme il est dit dans les proverbes, qu'il vient Tren Em Rochecha, car les paroles de Torah sont un accompagnement qui apporte la grâce à ta tête, et des colliers à ta gorge. Rabbi Shimon Levi, dit Bishvil Arba Pesirot, chez la parole Abraham, par le mérite de quatre pas que Pharaon a fait pour accompagner Abraham, chez Neymar, comme il est dit dans la Genèse, et ça va la parole Anachiv Gomer, Pharaon a nommé pour lui, pour Abraham, des hommes pour l'accompagner. Il a eu pour récompense que il a asservi ses enfants pendant 400 ans. Chez Neymar, comme il est dit, dans la Genèse, ils les asserviront et ils les feront souffrir 400 ans. A dit au nom de Rav, quand la mélavé est travéro, tout celui qui accompagne un autre sur une distance de 4 coups d'ébérir dans la ville, et non l'isoc, il entraîne que l'autre ne sera pas endommagé. Ravina, alveye le Ravava, Yitzhak, Abrahamot, Bahir. Ravina, accompagné Rava, fils de Yitzhak, 4 coups d'é en ville. Ataliade, Ezeka, Veitatsi. Il est arrivé un danger sur lui, et il en a été sauvé. Tanou Rabanan, ça a lancé dans une braïta. Rav le Talmid, un maître pour un disciple, Adibora Shelaïr, doit l'accompagner jusqu'à la marge de la ville. Chaver le Chaver, un condisciple avec un autre condisciple, Atechum Shabbat, doit l'accompagner jusqu'à la limite, là où on peut marcher le Shabbat, en dehors de la ville. Tamid le Rav, un disciple pour son maître, Enoshiur, il n'y a pas de mesure, le Kama,
Alors, combien c'est un maram chéchette à Parsa? Jusqu'à une Parsa qui fait environ 1 km. Ça, on a dit uniquement si c'est son maître qui n'est pas le maître absolu, tout ce qu'il a appris. Avant le rabo mouhak, si c'est le maître absolu, Shosha Parsaot, il doit l'accompagner sur une distance de 3 Parsa. Afkana alveye le Rav Shimi Barashi, Afkana a accompagné Rav Shimi Barashi, mi Poumnara, de Poumnara à Betzinita de Babel, jusqu'à l'endroit des palmiers de Babylonie. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas à Marley, il leur dit, Vadaïnamritu, est-ce vrai que vous avez dit, Anetilita de Babel, que ces palmiers de Babylonie, Michéné, Adam, Richon, Néou, ils sont là depuis le temps de Adam. Vadaïnamritu, il leur dit, tu m'as rappelé un mot d'Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, qu'avait dit Rabbi Yosef fils Rabbi Hanina. Que veut dire ce verset dans Jérémie? Beretzlav va ish, dans une terre où un homme n'est point passé, Veloyacham Adam Sham, et où un homme ne s'est pas installé. Rimachashulavar Echanyashav. Or, si il n'y est pas passé, comment aurait-il pu s'y installer? Et la Eretzegazar allait à Adam Arishon le Yishuv, Ersheva Eretz. Seulement c'est pour nous dire, une terre pour laquelle le premier homme, Adam, avait décrété qu'elle serait habitée. Nityashva, elle a été habitée. Eretz Logazar Ali Adam Rishon, mais une terre pour laquelle le premier homme Adam n'a pas décrété qu'elle soit habitée. Non, Nityashva, elle n'a pas été habitée. Amonrai Ravashi, Magrunia a accompagné Ravashi de Magrunia jusqu'à Bekipe. Abedura, d'autres disent jusqu'à Bedura. Rabbi Chanan Mishum Rabbi Meir, Rabbi Chanan Dionon Rabbi Meir, quand chez nous lavé ou mitlavé, tout celui qui ne veut pas accompagner l'autre ou être accompagné par un autre qui est le chauffeur d'Amim, c'est comme s'il avait versé du sang. Chez nous malélivouan chez Richolélicha, car si les gens de Jéricho auraient accompagné Élisée, l'Ogira d'Ubim le Tinokot, ils n'auraient pas eu à envoyer des ours pour attaquer les enfants chez Nima. Comme il dit, Vayamisham Bet-El, que il est monté de là-bas, de Jéricho, à Bet-El. Il était en train de monter dans le chemin, on arrive que Tanimetsuminahir, et des jeunes, des enfants, sont sortis de la ville, Vayit Kalsubo, et ils l'ont insulté à Élisée. Voyons, Roulou, ils l'ont dit, allez, Kéréach, allez, Kéréach, monte, toi le chauve, monte, toi le chauve. En vérité, qu'est-ce qu'ils lui ont dit à Roulou? Ils l'ont dit, allez, chez Krachta, allez, Notamakom, monte, parce que tu nous as rendu l'endroit chauve, parce que jusque-là, ce sont eux qui vendaient de l'eau aux gens de Jéricho, parce que l'eau était empoisonnée, et le prophète Élisée a permis de faire en sorte que l'eau deviennent potables. Donc ils ont perdu leur gagne-pain, comme si la terre était devenue chauve. Maïonarim Ketani, pourquoi on dit des jeunes, des enfants? Abarabelazar, avait dit, en réalité, ça veut dire que ils sont vidés de tout accomplissement du commandement de la Torah. Ketanim, quand on dit petit, Shayim Ktanemana, c'est-à-dire qu'ils avaient une foi petite. C'était des jeunes gens, mais ils se sont conduits comme des tout petits. Kifla Rabbi Yosef demande, pourquoi on ne dirait pas qu'on les a appelés ici Néharim du nom de leur endroit? Miloketim n'était pas écrit dans les rois, Ve'aram Yatsu Gedudim, et de Aram sont sortis des troupes, Vayish Bou, Meret Iskandar Ketana. Ils ont pris en captive de la terre d'Israël une jeune fille enfant, avec Kachana Nara Uktana. On s'est posé la question que ça veut dire une jeune fille et qui est enfant. Rav Pedat a expliqué Ktana Demin Neoran. C'est un enfant qui vient de l'endroit appelé Neoran. La Gemara répond à Tam, l'homme fait un Koma. Parce que là-bas, on n'a pas dit de quel endroit elle était. Mais ici, on a explicité d'où il venait.
Jéricho, donc on ne peut pas dire qu'il venait d'ailleurs. Il fait Macharav, voyant M. Le verset dit que Élisée s'est tourné derrière lui, il les a vus. Et Kaldelem, il les a maudits au nom de l'Éternel. Mara, qu'est-ce qu'il a vu? Mamash, Rav dit, il a vraiment vu qu'il est allé à Kosmakanemoreta. Avant Shungamino Mère, Shungamino dit, tout endroit où les sages ont posé leurs yeux avec colère, Omita Oroni, ça a entraîné soit la mort, soit la pauvreté. Il a vu que tous, ses enfants, leur mère était tombée enceinte de eux le jour de Kippour, alors que c'est interdit d'avoir des relations ce jour-là. Mais Rabbi Tzaknapachama, Rabbi Tzaknapachadi, Blurit Ra'alaen, il a vu chez eux une touffe de cheveux qui est Moriim, car ils étaient coiffés comme les Émoréens, les idolâtres. Rabbi Chanama, Rabbi Chanani, il a vu qu'il n'y avait pas en eux la moindre trace de l'accomplissement d'un commandement de la Torah. Mais dis-moi, mais Zarayoun n'y avait, avant, la Gemara dit, mais peut-être que il y en aurait eu dans leur descendance. Rabbi Hazar avait les ardi l'obam et l'obézaram. Il a vu ni chez eux, ni à leur descendance, à sauf Koladorot, jusqu'à la fin de toutes les générations. C'est la fin de l'étude du Daf Mem Vav de la feuille numéro 46.